service de la patrouille PAM 1, 3 effectifs à bord d'une Ford Focus SW3. Je vous reçois très mal. Je vous entends très mal. J'ai la radio. Non, mais je vous entends vraiment pas fort en fait. D'accord. Cette pluie, par contre, ça me donne mal à la crâne, c'est horrible. Pour de vous, ouf. De ouf. C'est immonde. Vraiment immonde. Clairement. Alors. Ok. Ok. Je propose. Alors, je sais pas, justement, hein. Mais je propose qu'on se mette en contrôle vitesse juste au-dessus là. Si oui, on l'a fait tout à l'heure. Ah, d'accord. Décide sur moi-même. Au niveau du concessionnaire de roue, la personne est inconsciente. Blessure par balle. On va avoir besoin d'un soutien. Ah, okay, on demande à Delta 260 pour le. Faut attendre. Faut attendre que Delta 260 appelle lui. Ah oui, parce qu'il est indisponible. Mais il y a toujours quelqu'un à la radio, donc... Ils te disent qu'ils sont indisponibles. C'est sur les patrouilles, s'ils ont besoin de renfort, par exemple, s'ils vont te dire indisponible. Mais... Transmettez. Ouais, c'est vous qui êtes en contrôle, du coup. Négatif. Ok, bon bah du coup, je vous demanderai de vous rendre au niveau du concessionnaire de route pour porter... Pour apporter de l'aide aux militaires. Ok, très bien reçu, on y va. Ryushimura, concernant d'eau. Affirmatif, ouais. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oui, je crois que c'est celui qui vient de partir en prison. Ouais, poste d'entrée de la prison. On a eu une alerte. Je l'ai pas vu le... Moi je l'ai vu, mais... Je l'ai vu. Mais je sais pas si on a le droit d'en tenir compte, ça, par exemple. Bah, si. Théoriquement, oui, je pense. Oui, je pense, ouais. C'est comme si c'est la prison nous signalait les... Ah, c'est les caméras de surveillance qu'ils ont chopé, ouais, voilà, et puis voilà. Et c'est quelle station essence? Concessionnaire de roues. Okay. Direction Ryoshi Mura. Je comprends pas comment le mec il a pu se retrouver seulement devant l'entrée. Il y a, on va dire. Une faille je... Ouais, tout à fait. Et on va dire qu'il y a un mur invisible. Moi, s'ils veulent, je leur trouve toutes les failles qu'il y a sur tous les bâtiments, il n'y a aucun souci. T'as de l'expérience. Je vous rappelle, une Coras, vous n'êtes plus une Coras indépendantiste. Non, non, mais pour aider le gouvernement. Ah oui, ça par contre. Allez, on va avancer. Ah, cette pluie. Ah, c'est immonde. Hein. Ah, enfin un bon conducteur. Parce que... l'autre fois, ouais. on a les bleus, on a les sirènes. Il y a une dépanneuse juste devant nous, je lui fais savoir qu'on veut tourner à gauche et elle force quand même le passage. C'est un refus d'obtempérer. Un utilisateur dans le canal. Oh qui a Maria. À droite. Ah, j'ai vu. Bah ouais. Ça, c'est un mauvais conducteur. Enfin, je crois. Hein. Pour qu'il soit là, il leur fait automatiquement de fraude. Ouais. Il s'est envolé. Ouais. Mais on ne lui prête pas stationnement gênant parce que je m'en souviens le dernier coup. On va dire qu'il y a quelqu'un qui a eu un accident, qui s'est retrouvé, il a volé dans les airs. Et il y a un gendarme qui lui a mis une amende pour stationnement dangereux. Oui, vous étiez en GoPro. Ouais. Alors, c'est quoi qui s'est passé exactement? On sait à Delta 260 qu'on est arrivé. Data de 260 de PAM 1. Pour vous dire qu'on est arrivé sur zone Ryoshimura au niveau du concessionnaire de roues. Bonjour monsieur. Bon, je vais vous expliquer. Alors en gros, on est arrivé ici. La personne qui est à terre nous a rentré dedans avec le chou quad. Transmettez. Ouais. Si dans les 5 à 10 minutes on te répond pas, c'est normal, on va à la prise, donc on est à l'opposé de vous, donc tu m'appelles. C'est bien reçu. Et bonne patrouille. Bonne patrouille aussi.
Je sais pas si vous avez juste entendu le sprinter juste avant, il est en train de parler qu'il y a des militaires et gendarmes armés. On reste en surveillance pour une classe en face. J'ai pas fait trop d'écraser un ou deux. Ouais, ça va pas, monsieur. Non, j'ai pas fait trop. J'ai pas fait trop, je vous ai écrasé. J'ai pas fait trop de vous écraser, monsieur. Mais sur le bas côté, c'est ce qu'il est. Est-ce que je fais un beau balisage? Négatif, on va aller à l'hôpital. Bien reçu. Vas-y, rentre dedans. Un utilisateur qui est dans le canal. Alors. Attendez, bougez pas, monsieur. Un utilisateur qui est dans le canal. Voilà. Voilà. Second classe, l'un de vous deux. Prends le quad. Je vais ramener à la gendarmerie. Vous voulez que je le fasse ou vous faites? Ouais, allez-y si vous voulez. Comme vous sentez. Bah, allez-y, faites-le. Ok, parti. Du coup, pour vous informer que si on essaie de contacter Delta 260, il faudra les appeler via le téléphone ou de la radio. La personne à l'intérieur, elle a un garrot, faut l'enlever. D'accord, bon, on va le descendre alors. Je vous attends pour commencer le combat. Bah, là, vous allez faire quoi? Avec lui. Votre collègue, on lui a demandé de s'arrêter pour lui dire de faire attention, parce que nous, on n'a pas le droit de l'arrêter ni rien. Mmh. Ouais. Sauf que votre collègue m'a écrasé. Ouais, ouais. Après, il est parti. Et il est parti. Bah, je sais pas, là, les gars, vous dites pas. Lui, il est déjà engagé dans le virage. J'ai pas, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que là. Monsieur, bonne journée. Hein. Mon pote, il était déjà engagé dans le virage et. Enlever le garage, je mets les pansements. Voilà, en quad. Bah, c'est sûr, en wheeling et puis sur la voie de gauche, à mon avis, il a pas vu le virage. Ah, bah, c'est super. Hein. Je peux parler un peu avec lui, s'il vous plaît. Ça, vous voyez ça avec les gendarmes. Ok, elle remet directement le... Je voudrais parler avec mon pote, parce que... Bah, y'a pas de soucis, il faut payer ou pas? Non, c'est pas comme aux États-Unis, hein. Ah ouais... Allez. Bah, il va rester combien de temps en garde à vue, parce que c'est ça, le bel. Ah, ce sera son affaire et la nôtre, donc je vais demander de circuler, s'il vous plaît. Ah bah non, c'est mon pote. Son pote d'enfant, je le connais plus que je suis à la petite section, se dire c'est à peu près 20 ans. Ouais, c'est bon, on va y aller. Comme ça. Et au fait, tu peux parler avec les menottes alors, hein. On a besoin qu'on vous suive. S'il vous plaît, oui. Bah, je vais venir avec vous au poste, hein. Je vais venir avec vous au poste. Ça, je vous conseille pas, monsieur. On se dépêche, le monsieur perd beaucoup de sang, hein. Je le connais depuis 23 ans, monsieur. Alors, au bout d'un moment, vous, les messieurs les gendarmes, les messieurs les. Les militaires, ok, ils nous règlent ce qu'ils doivent le régler parce qu'ils les écrasent. Monsieur, circulez s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Oh là, il n'y a pas de soucis. Un utilisateur a quitté le canal. Mon classe qui est sur le code, je vous laisse rentrer directement à la gendarmerie.
Avec expérience. Donc, monsieur, si vous voyez que vous perdez un peu trop de sang, n'hésitez pas à me le dire. Je vous mettrai un bandage supplémentaire. C'est reçu? Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, oui. Voyons, oui, j'entends. Delta 260 de PAM. Monsieur? On est PAM. Monsieur? Oui, on vous entend, monsieur. Ah, enfin! En fait, j'avais un petit problème avec mon cerveau, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, là, c'est bon, c'est bon. Qui doit être envoyé pendant une durée de 15 ans. Négatif, les RP ne sont pas disponibles pour l'instant, donc utilisez le transporteur. Ok, c'est suivi. Et en fait, j'ai pas fait exprès de rentrer dans les gendarmes. C'est pour ça que je peux... Sur l'armée, faire... vous avez essayé de... Oui, l'armée, l'armée, pardon. Excusez-moi. Attends, arrête-moi, arrête-moi, arrête-moi. Ok, monsieur, monsieur, vous avez pas le droit de rentrer ici. Vous avez pas le droit de rentrer ici, monsieur. Alors ok, là ma vie, là vous avez failli me buter parce que là je suis quand même en moto, quand même des protections, mais là je trouve que c'est abusé. Ok, vous monsieur, vous, vous circulez s'il vous plaît, monsieur. Vous circulez. Vous mettez pas ma vie en... Vas-y, passez. En plus, monsieur le policier, monsieur l'agent, hey, les gars, faites gaffe à la moto quand même. Alors monsieur l'agent, là on n'est pas... Bah écoutez monsieur, bon, écoutez monsieur, vous allez circuler s'il vous plaît, vous n'êtes pas dans une zone réglementée par les civils. Ceci est un hôpital, d'accord? Bah ouais, mais ceci est un hôpital et ceci, mon pote est oui, dans un... C'est pas un parking, pour les civils. C'est les parkings pour les civils se situent un petit peu derrière. Bah ouais, bah ok. Là actuellement on est en urgence, oui. Par contre je veux rentrer. Et messieurs les... Vous mettez votre... Vous mettez votre véhicule. Vous allez sur le parking et vous arrêtez de faire chez votre monde. Est-ce que c'est clair? Ok, bah y'a pas de soucis, je vais mettre ma auto sur le parking, mais je vais aller voir comment mon pote y va. Vous mettez votre parking sur... Ok, y'a pas de soucis. Vous allez sur le parking, dépêchez-vous. Je vais mettre ma moto sur le parking, y'a pas de soucis, mais par contre vous me laissez entrer. Oh, aussi. Oh là là, c'est... Est-ce que vous recevez? Yes. Je suis à l'hôpital, hein. Ok. Bon, clairement, j'ai garé Quad. Donc, pour faire un topo, enfin, pour faire un résumé, il est accusé donc de tentative d'homicide. Vas-y, je monte avec vous. Tentative d'homicide, c'est ça? Mise en danger d'autrui aussi. Non, mais c'est le monsieur qui est jaloux. Prise de service. Ah non, c'est pas vous, pardon. Place à l'ex-Quad. Super. Mais nickel. Attends, je suis avec Maréchal de Logis, je suis derrière vous. Oui, il reste avec nous. Hein. Oui, sur place, vous êtes on part en OPEX. Delta 260 en acte en courant, en Delta 260 à la prison, dès qu'on termine la mission. Okay, merci. Reçu, merci. Je vais vous ouvrir les portes. Avancez un peu. Pourquoi? Pour merde. Hop. Où y a tout le monde?
C'est bon. Vas-y, remets-tu. Il revient en compagnie. Et du coup, là, je vais avoir quoi? Je vais avoir un prix. Il est à la compagnie. Je dirai tout ça à la compagnie, monsieur. Même pas touché. C'est bon, classe. Ouais. Vous pouvez contacter Delta pour leur dire qu'on est indispo pour garder. Delta 260 de PAM 1. Delta 260 de PAM 1. Pour vous informer de notre indisponibilité suite à une garde à vue. Bon. Passez pas devant. Un utilisateur a quitté le canal. Moi aussi. Lui qui s'y fait. Oh, c'est qui tête, ouais. Un ami vient dans le canal. Bon. Vous avez descendu du véhicule. Et il a pas été menotté. A été déconnecté du canal. Il a été menotté. Et où, monsieur? Ah bah... Monsieur, descendez du véhicule, s'il vous plaît. Là, tout à l'heure, je vais le descendre. Ah, mais je crois qu'il est pas menotté. On peut non, pas. Non, il est pas menotté. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a eu? Monsieur, sortez du véhicule, s'il vous plaît. Et on l'a demandé de s'arrêter. Est-ce que vous avez... Est-ce que... C'est qui le propriétaire? Normalement, vous devriez pouvoir le faire sortir. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, c'est bon, pardon, en fait j'ai eu un problème. Ah, ouais, je pense que vous avez ce cerveau. What? Ouais, il est où? What? C'est attendez, vite fait, vous pouvez me demander pour que j'enlève ma radio parce que mon collègue il me crie à la radio. Eh ben écoutez, je vais vous l'enlever. Avancez, monsieur, s'il vous plaît, dis-je dans premier temps. On peut m'enlever ma radio parce que là mon collègue bien est sûr dans les oreilles. C'est la première chose qu'on va vous faire. Merci. Suivez mes collègues, monsieur. Faut encore avancer. À gauche. Un utilisateur a perdu sa connexion dans le canal. Alors. Monsieur, je vous cite vos droits. Vous êtes placé actuellement en garde à vue pour tentative d'homicide involontaire, ainsi que pour mise en danger de la vie d'autrui. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Vous avez le droit à boire et à manger, ainsi qu'un temps de repos. Aucun avocat n'est disponible sur l'île. Vous ne pouvez pas en bénéficier. Est-ce que c'est bien reçu pour vos droits, monsieur? J'aurais besoin de manger et de boire, s'il vous plaît. D'accord. Un utilisateur vient dans le canal. Merci. Surtout de manger, ça serait urgent. Merci. Je vais vous enlever les menottes pour que vous puissiez dégusser. Yes, merci. Monsieur. Voilà. Bon, on pose le service du capitaine oui. Shepard dans ce station de BRI, si quelqu'un des survivants en BRI qui se manifeste tout de suite. Comment? Après, il y a des chefs d'État qui souhaitent venir en BRI. Et du coup, là, je vais voir quoi? Quoi que vous avez vu? De quoi? Seconde classe, c'est bon pour la fouille? Négatif, j'ai pas encore commencé. Donc monsieur, je vais vous démenoter, vous allez déposer vos affaires au sol, on va les inspecter pour s'assurer que tout va bien. Ouais, pas de soucis. Voilà monsieur. Second classe, une carrière, est-ce que vous êtes toujours là? Affirmatif, je suis derrière la vitre. C'est reçu, est-ce que vous avez les clés du véhicule?
Négatif. Monsieur, vous allez me passer les... Transmettez. On a besoin de vous en urgence à la prison des hommes sans traitement. C'est vraiment bien. Actuellement... Actuellement disponible pour garde à vue. De votre quad à mon collègue. Maréchal des logis. Oui. Est-ce que... Ah merde, j'ai fait jeter. J'ai fait jeter. Vous avez jeté les clés? J'ai fait jeter, ouais. Parce que je sais pas comment faire. J'ai jamais fait ça. Je me suis jamais fait arrêter. Prêté, il fallait faire. Ah merde, j'ai fait jeter, moi. Après, genre, ça les mettait au sol. Brigadier chef Delta et prise de service du brigadier chef Delta en spécialisation BRI. Y'a pas moyen de négocier un petit billet ou quoi? C'est une question, c'est pas. Non, c'est une question, c'est pas une confirmation, monsieur. Non, pas de soucis. Tu peux pas rentrer de. Un utilisateur est dans le canal. MRSP seconde classe, MRSP seconde classe, MRSP capitaine. Transmettez. Il va chercher. Répétez, je vous entends mal. Pour information, le quad est actuellement ouvert à clé. Et RS à l'intérieur. Ok, c'est reçu. Un utilisateur a quitté le canal. Un utilisateur est dans le canal. Affirmatif. Waouh. Arrêtez de bouger s'il vous plaît. Monsieur, bougez pas. Je bouge pas. Donc monsieur Léo Blaze, je vais vous créer votre casier judiciaire. Mise en service. J'ai pas de casier judiciaire, moi j'ai fait des amendes, normalement. Très bien. D'une Porsche GT3. Enfin, il me semble hein. Excès de vitesse ou des trucs comme ça. Normalement sinon j'ai rien. J'ai pas de meurtre. Oui, bah là maintenant vous avez une tentative involontaire. Ouais, mais c'est involontaire comme vous dites. Oui, bah ça reste. Mais en fait, quand j'ai même... pas fait exprès, c'est en voulant manœuvrer pour partir sur ma voie comme j'étais en wheeling. Excusez-moi de vous interrompre. Comment? Excusez-moi de vous interrompre, mais je dois vous poser quelques questions. Ouais, j'ai cru avoir compris que vous étiez à Sauze actuellement là. Date de naissance. Alors, je sais, je sais pas laquelle j'ai mis, c'est 23-12 quelque chose. Après, je sais pas. Je peux pas dire. On arrive sur place, vous inquiétez. Je pense 1980, un truc comme ça, c'est bah, si possible, il faudrait qu'on se dépêche parce que Pam, Delta 260 nous ont contacté juste avant pour la prison. Hein. Ouais, bah, de toute façon, le monsieur, on va l'emmener en détention nous-mêmes dans ce cas-là. Bien reçu. Bah, sinon, je dois y aller. Bisous, bisous. Un utilisateur est dans le canal. Un numéro de téléphone, s'il vous plaît. Un utilisateur est dans le canal. Arrêtez de bouger, monsieur. Votre couleur de vie. Bleu. Dites à votre collègue que je l'ai vu derrière la ville. Et encore, vous avez pas vu le dernier. C'était pas bien caché derrière ma vie. Déjà, c'est pas tu, c'est vous, d'accord? Qu'on soit bien clair. Et j'ai pas besoin de me cacher derrière la vitre. Vous êtes en garde à vue, du monde peut vous voir derrière la vitre en tant que gendarme, seulement. Pas de soucis. Et moi, je me cache pas.
l'utilisateur vient dans le canal. C'est bon pour le... Alors... Interpol, c'est bon ? J'ai une question. Ouais. Est-ce que je notifie le mise à jour de danger d'autrui sur le casier judiciaire ? Négatif, vous mettez seulement les délits et crimes. Donc pour le monsieur, okay. Tentative involontaire. Delta 260 de BRI. Ouais, est-ce que vous avez des points de pax ou des... la position des véhicules ? Alors pour le moment, plus que ça, on a deux chevaux en neuf roues que vous allez voir quand vous allez arriver sur le chemin de. Et moi j'ai une question, il y a moyen de faire une session de tir avec toi, l'arme à feu ou quoi? Négatif. Maréchal de Légis, donc l'amende c'est bien 25 000. Je peux la garder pour toi, l'amende, j'ai pas les tentative involontaire plus danger du. Mise à l'eau de truie, oui. Ok. Je vous aime bien les gars, mais j'ai pas les sous. Je vais vous demander de nous tutoyer et de garder un vocabulaire adapté à notre rencontre. Pas de soucis. En train de vous chercher mise en jeu et de vie d'autrui. Parce que si vous voulez, je peux vous rajouter un outrage à l'amende. Ça dépend, bah, ça fait combien en plus. Je pense que vous allez pouvoir la rajouter. Hein. Pardon ? Si vous continuez, oui. J'arrête. C'est mieux. Un utilisateur a quitté le canal. Mise en danger de la vie d'autrui, c'est un total de 10 000 euros, juste pour cette amende. Donc ça fait 35 000 euros d'amende, monsieur. Oh, ça fait beaucoup, mais j'ai pas les sous. J'espère que vous ne mentez pas, parce que là, par contre, ça peut être un peu plus grave. Je mens pas, je mens jamais. Oui. Très bien, je vais lui proposer la verbalisation. J'ai pas les moyens pour payer. C'est la procédure, monsieur. Je sais, on me le dit à chaque fois. Donc je vais vous demander de signer juste en bas à droite. Je vais vous la présenter trois fois. Pas de soucis, la procédure habituelle, quoi. Donc, faut dire la phrase jusqu'au bout, sur mon classe. Ah. Eh oui. Donc monsieur, je vais vous mettre une amende. Je vais vous amender pour le motif suivant. Tentative d'homicide involontaire, ainsi que mise en danger d'autrui. Donc je vais vous demander de signer juste ici. C'est bon. Ok, donc 5 ans supplémentaires. Très bien, bah je m'occupe de ça. Ouais, on l'escorte. Ouais, chef, ça fait beaucoup là. Y'a vraiment pas moyen de filer un petit billet ou quoi? Ah monsieur, donc tentative de corruption? Mais non, mais c'est une question. Pourquoi vous prenez comme ça? C'est une question. Allez, on y va. Un petit billet, 10 000 chacun. 10 000 chacun. Monsieur, je vous préviens juste une chose. Si vous avez les fonds nécessaires pour payer et que vous ne payez pas par votre propre intérêt, ce sera une demande d'exil directement. C'est pas que je paye pas, c'est que je peux pas payer. Je vous préviens, c'est dans la procédure, monsieur. Pas de soucis, chef. Et par contre, tu m'as ouvert la porte dans les dents, là. Non, c'est vous déjà. Pourquoi un outrage? T'es pas chef, toi? Tue-toi pas, hein. Je prends ma tête. Très bien. Donc on se dirige vers la prison, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Tu prévenir. Juste, je vais les prévenir par appel, hein. Ouais, vous. Je l'appelle téléphone. Et dites-moi, le véhicule à droite là, c'est saisi ou pas? Parce que moi je suis preneur là. Ouais, est-ce qu'on. On est actuellement une personne en prison pendant une durée de prison. Donc est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut l'emmener ou pas? On est en train de check la zone, on a des véhicules qui tournent autour de la prison là. J'ai combien d'années de prison, chef? Ok, donc on se met un petit peu en retrait en attendant que ce soit clear et vous nous prévenez juste après ou on se passe comment? Oh papy, tu parles trop là. Ok, bien reçu. On attend votre. Ok, reçu. On appelle. On attend la radio alors. Ok, merci. Je fais quoi? Bon, du coup, on va jusqu'à.
On va pas jusqu'à la prison directement, ma chirurgie. Ouais, c'est la seconde classe. Du coup, ils attendent de clear la zone, la prison, et ensuite pour qu'on aille mettre l'individu en prison. Ok, c'est bien aussi. Donc faudra qu'on se mette pas directement via dans la prison, qu'on aille un petit peu, pas un peu plus loin, enfin n'importe, mais voilà, pas la prison directement. Oh, il y a la boîte au quartier. Oh, il a sauté le con. Collègue, bon, monsieur, vous circulez, dépêchez-vous, sinon vous mettez un autre agent. Monsieur, vous circulez. Attendez, j'ai mon cerveau, il bug. Putain. Je peux vous voir, dépêchez-vous. Appelle les SP, appelle les SP. Dépêchez-vous, je vais pas vous dire ça 50 fois. Okay. Ah, les SP sont... Viens, collègue, libère-moi. Oui, monsieur, je vous prierai de vous tirer, c'est... Transmettez. Rien qu'on me sorte, 2 minutes. Collègue. Pas compris. Collègue. Attends. Libère-moi, copain. On est actuellement indisponible, on a... la seconde classe... Bowman qui est actuellement dans le coma, en plein milieu de la route. Enfin, malaise à cause de l'eau. Pas bu, pas mangé. Ok, c'est de la relever. Genre circulez, monsieur, s'il vous plaît, circulez. Besoin d'aide. Non, circulez, inquiétez-vous pas. Vous pouvez réitérer le nom et le prénom de la personne, s'il vous plaît. Alex Moore, seconde classe, Alex Moore, je vais attendre. Un utilisateur qui est dans le. Vous êtes où exactement? Oh monsieur, c'est de la provocation là, il passe en cabron. Hein. Oh papy, c'est de la provocation là. Oh le vieux, je te parle là contre des morts. Par contre, vous allez vous calmer tout de suite parce que moi je vais pas rigoler avec vous, d'accord? Je suis pas votre ami. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Papy, va. Un utilisateur a quitté le canal. Eh, je me tais parce que sinon vous allez finir à la morgue. Mon collègue là, tirez pas. Fermez là, je vais pas vous le dire ça 50 fois, fermez. T'as contacté les SP ou pas? Ah non, ils sont disponibles. Ouais, mais sauf que moi j'arrive pas à monter. Bon, ça y est. On fait quoi du coup? On continue. Si lui il continue, ça va pas le faire, je vais appeler l'armée. Je vous laisse conduire, j'ai dit. Non, je vous laisse conduire sur ce cerveau là, complètement. Ok, arrêtez-vous. Les gars, vous pouvez dépêcher parce que je dois y aller dans mon cerveau si vous voyez ce que je veux dire. Les gars. Monsieur, D'accord. Parce que dans mon cerveau, je dois y aller. Si vous voyez ce que je veux dire, dans pas trop longtemps. Du coup, dépêchez-vous un petit peu s'il vous plaît. Il a dit libérer Léo. Il a crié libérer Léo. Non, monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi votre collègue il est en PLS devant? Inquiétez-vous pas. Vous comptez l'amener chez les pompiers ou pas? C'est pas votre affaire. C'est pas mon affaire, mais bon, je suis quand même témoin d'un meurtre là. C'est pas un meurtre. Non, monsieur, je suis en train de dormir. J'ai retenu. C'est homicide involontaire. Moi, c'est tentative d'homicide involontaire, et là, c'est homicide involontaire. Un utilisateur a quitté le canal. Oh, y'a moyen de mettre le de ton chef.
Donc là, vous êtes en GoPro ? Affirmatif. Oh, mille de ton, s'il te plaît, mille de ton. Bon, monsieur, je veux pas le répéter 50 fois, vous arrêtez de nous tutoyer. On n'a pas levé les cochons ensemble, d'accord ? Vous pouvez mettre le de ton, s'il vous plaît. Pour information, maréchal des logis, j'ai actuellement la plaque de la moto. Donc on pourra la mettre mise en danger de la vie d'autrui. Pour Willing. On pourra le mettre en trave à l'opération de police. Également, j'allais le dire. Oh mais c'est bon, on peut bien s'amuser avant la prison. Monsieur, que la vie des autres c'est un jeu. Pardon. Ok. Attends, ça fait 3 entourages. Ouais, y'a pas de soucis. Ouais, sauf que là c'est un peu plus qu'un outrage. Ouais, je t'ai enfin revenu. Ah, t'as fait un malaise, t'as fait un AVC, t'as fait quoi toi? Wow. Il est en PLS ton collègue. Votre. J'avais pas. Ça m'était jamais arrivé comme ça d'être déshydraté. Ah, vous avez fait un malaise d'où? Ouais, carrément. Second classe, vous avez de la chance que j'ai eu réussi à avoir un pouls et un RCP. Hein. Si vous voulez, j'ai un café sur moi. Merci beaucoup. Vous contactez s'ils sont dispo pour PAM 01. Pour la prison. Data 260 de PAM 1. Transmettez. Pour savoir au niveau de la prison, est-ce qu'on sait? C'est sous contrôle. On a. Okay. On peut donc amener le prisonnier, c'est bon? Oui, allez-y. Ok, bien reçu, on arrive. C'est mon classement de data de soins. C'est mon classement de data de soins. On part de la prison, on arrive au chercher. Désolé pour l'attente. Pas de problème, merci. Donc j'ai ma GoPro a continué de filmer lorsque j'étais inconscient et elle filme toujours. Reprise de patrouille de mer. Quitter le canal. Ah ouais, je tiens quand même à m'excuser à propos de tous les propos que j'ai pu et les injures que j'ai pu vous dire. Ah mais c'est pas grave, ça sera quand même sanctionné, monsieur. Sanctionné. Ouais, non mais c'est pas ça. C'est parce que voilà, tu vois, c'est pas gentil. J'étais juste énervé parce que mon quad il est tout neuf. Ça c'est pas notre problème. Et ça fait longtemps que j'ai payé. Hein, c'est après. Elle a réfléchi avant. je sais. On me le dit souvent. Alors, c'est curieux que vous ne l'appliquiez toujours pas. Je sais. 20 ans de prison, putain. Eh ben. C'était vos collègues, ça. Non, c'était les pompiers. Vous avez pas un bout de scotch qui traîne, là, dans la voiture? Bah, ça va, on est arrivé. Ça fait longtemps que je l'aurais déjà utilisé si j'en avais. Ouais, je crois que... C'est vachement long. C'est qui cet individu? Mais oui, mais y'a pas de soucis, moi j'ai réglé les affaires que j'avais avec eux. Ah non, mais... Ah, mais je reconnais. Bah oui. Libérez Booba. Il y avait que le Boeing 6, d'accord. A perdu sa connexion dans le pénal. Maréchal des logis, si je peux me permettre, je vais mettre les amendes nécessaires au niveau de la menace sur représentant les forces de l'ordre. Donc, monsieur, bougez pas, je vais vous présenter une amende. Pour la menace auprès des représentants des services publics, qui est une amende de 15 000 euros. Toujours plus. Si on refuse de payer, ce sera 50 plus. Hop. Je vous la présente jusqu'à 3 fois, monsieur.
Sinon les trois fois. En fait si je la paye après j'ai plus de sous. Bah tant pis monsieur. Vous êtes dans l'obligation de payer. Si vous ne vous refusez de payer, si et que vous avez faux. C'est la procédure monsieur. Le problème c'est que si vous avez les sous et que si vous avez les sous et que... Mais non je fais payer, je fais payer. C'est à moi que vous avez proposé. Ah excusez-moi. J'ai cliqué sur la signature payée. Non monsieur, il n'y a pas de... Voilà, vous signez, c'est pas cliquer ou je sais pas quoi. J'ai signé hein, je signe les papiers monsieur. Ok très bien, ce sera 50 plus. Allez hop. Bonjour. Ah, je vais prendre mon service. Ok, bien reçu, allez-y. Un ADP actuellement disponible, hein, pour information ici, les justices y présents. Vous avez la plaque pour la moto? Affirmatif. Ok, on va retourner à la gendarmerie ouais. Et ouais. On va mettre ça... Attendez, il y en a un agent pénitentiaire actuellement dans son vestiaire. Hein. Je pense qu'il vient de prendre son service. Sa connexion dans le canal. Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Vous nous entendez monsieur ou pas? Ah, ouais. Ouais. Il y a actuellement un détenu qu'on vient juste de mettre à la prison. Ok. Ouais, donc, c'était juste... Ok, il m'a reçu. Bon, voilà. Il a pris une peine de 25 ans. Ok, ok. Ouais. Bah, bon courage à vous là. Oui, ah, merci. Ouais, je te souhaite bien du courage. Bonne soirée. Oui, oui, clairement. Par contre, vous faites.